Bonjour à tous, donc je remplace Bertrand, je suis le cofondateur de Predixis et on avait la chance d'être dans les top 10 l'an dernier. Oui, c'est ce qui me semble, absolument. C'était très sympa. Et effectivement, la question, le data scientist est un peu un buzz. Est-ce qu'il faut un data scientist? Il y a plein de données, comment les exploiter? Donc Claude va nous expliquer le travail du data scientist et puis à travers son discours, les méthodes et les outils qui arrivent pour faciliter grandement l'usage et l'anticipation des comportements clients à partir de méthodes automatiques. Donc Claude, bonjour. Bonjour Jean-Louis. Donc on n'a pas de slide, hein, on va vous le faire en interactif, parce que sinon c'était des mathématiques et on s'est dit là ça n'allait pas passer. Donc tu pilotes l'équipe d'analyse prédictive pour le marketing chez Orange. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Donc le point de départ du travail, c'est l'usage de la donnée. Orange utilise depuis toujours de grands volumes de données pour délivrer à ses clients les services auxquels ils sont abonnés. Évidemment, il faut acheminer les communications, facturer, dépanner. Il faut aussi préparer les réseaux du futur. Par contre, personnellement, en tant que responsable d'une équipe du marketing, je préfère ne pas utiliser le terme prédictif parce que je le trouve un peu ambigu. On ne sait pas, quand on parle de prédictif, si on parle d'analyse simple de grandes tendances moyennes ou si on parle d'apprendre systématiquement de façon fouillée le comportement de chacun des clients. Nous, on préfère parler de connaissances clients et effectivement, tout ce que nous faisons n'est pas fait de façon intrusive. Si nos scores servent bien à adapter les offres de nos clients, à voir si elles répondent bien à leurs usages, aussi à les fidéliser en cas de difficulté, l'observation qu'on fait reste globale. Par exemple, on observera le volume de data consommé, mais on s'interdira absolument de regarder le nom des sites ou des pages web consultées. Tout le monde comprend que pour autant, on n'est pas démuni parce que dans l'exemple d'un client qui a diminué par deux sa consommation téléphonique et qui vient d'appeler trois fois la hotline, on peut quand même bien imaginer qu'il a probablement des soucis qui peuvent le conduire à être insatisfait, voire à résilier. Donc, on parlerait plutôt de connaissance client pour notre part. D'accord. Donc, la connaissance client qui permet d'anticiper un certain nombre de choses, comment tu la définis? Bah en fait, nos scores servent à améliorer la qualité de service, donc en anticipant un certain nombre de problèmes que pourraient rencontrer nos clients. Meilleure connaissance client, ça permet, comme je disais, de proposer des offres plus adaptées aux besoins, avec une personnalisation des messages. Et cela, j'insiste aussi sur le principe du consentement explicite et éclairé du client quant à l'usage que nous faisons dans les modélisations de ces données d'usage. Ce consentement explicite et éclairé, il est aussi réversible à tout moment par le client sur son espace client. Ainsi, on a l'habitude de dire qu'à Orange, en matière d'utilisation de ces données, c'est le client qui décide à tout moment. De cette façon-là, on réalise dans mon équipe plusieurs centaines de modèles de score qui sont déployés chaque mois, ce qui nous conduit à calculer environ 2 milliards de notes de score mensuellement. Donc on voit là qu'on touche le big data et puis tu as parlé de modélisation et derrière la modélisation, il y a ou de l'intelligence artificielle avec des data scientists souvent, mais les notes de score qui vont permettre de quantifier un certain nombre de comportements clients et de les anticiper, qu'est-ce que c'est et comment tu les calcules, sans rentrer dans des détails mathématiques s'il te plaît. Donc avec le scoring, il s'agit donc de prévoir un certain nombre d'événements futurs, par exemple le risque qu'un client insatisfait puisse être conduit à souhaiter résilier, ou alors d'estimer des informations qu'on ne connaît que sur une partie réduite de la base client, par exemple via une enquête, et qu'on souhaite estimer pour l'ensemble des clients. Donc là, on parle de score de profil, par exemple l'estimation d'un profil technophile des clients. Le principe est relativement simple quand même à comprendre. Il s'agit de regarder quels éléments préalables ont pu conduire à l'état précédent, de construire de cette façon-là une formule
qui, en s'appuyant sur ces données d'avant, permettent de prévoir l'occurrence du comportement qu'on vient d'observer. Donc il s'agit de repérer, de détecter les variables qui vont permettre d'avoir une qualité discriminante quant à la probabilité d'occurrence par le client de l'événement modélisé. Une fois cette formule modélisée, périodiquement, mensuellement la plupart des temps dans notre cas, on va appliquer cette formule sur les données d'aujourd'hui et on produit ainsi pour chaque client, pour chacun des scores, une note qui reflète la probabilité que prochainement il ait le comportement prédit. Donc la note de score, en fait, permet de classifier les clients de celui qui a le plus de chances d'avoir l'occurrence du phénomène modélisé jusqu'au dernier. Donc en fait, on n'est pas dans la boule de cristal, on est dans l'observation de phénomènes qui se sont passés, un profiling finalement, et on reproduit ce profiling pour anticiper ce qui va se passer. Donc c'est là où on parle de prédiction, mais préfère parler de connaissance client. Est-ce que tu peux nous donner quelques problématiques business où ces scores sont utilisés chez Orange ? Oui, déjà, je voudrais dire que le scoring s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Orange qui vise à enchanter ses clients en leur délivrant une expérience incomparable. Le scoring sert aussi à améliorer l'efficacité opérationnelle. Par exemple, améliorer la qualité de service en anticipant en amont les soucis que les clients pourraient rencontrer dans l'usage de leur service. Améliorer la relation client. Par exemple, en reroutant directement les appels entrants des clients qu'on a prédits comme étant susceptibles d'avoir des problèmes vers des téléconseillers les mieux à même de pouvoir répondre à ce type de problématique. Enfin aussi, d'augmenter bien sûr l'efficacité commerciale via des scores d'appétence. Et là, j'ai entendu ça dans l'intervention précédente aussi, on a tendance à dire qu'il s'agit de proposer la bonne offre au bon client, sur le bon canal, au bon moment, au bon endroit et avec le bon message. Vaste programme. Donc, c'est, est-ce que ça marche, en fait ? Est-ce que ça marche ? Parce que ça a été dit, ça peut coûter cher, ça peut être compliqué, mais on verra qu'aujourd'hui, il y a des solutions comme celles qu'on propose, je fais un peu de pub, qui peuvent aller beaucoup plus vite et coûter beaucoup moins cher. Mais est-ce que ça marche vraiment ? Donc en fait, à chaque étape, on a mis des indicateurs de succès. Lors de la modélisation, on regardera dans quelle proportion les clients qui ont les plus fortes notes de score ont plus de chances de développer le phénomène modélisé que la moyenne des autres. Donc ça permettra d'avoir déjà ex ante une idée de combien on pourrait, par exemple, diminuer le volume des sollicitations tout en augmentant la qualité de la campagne, l'efficacité de la campagne. Donc de cette façon-là, on peut améliorer le retour sur investissement. À tout moment, on rapproche les prévisions qu'on a fait pour une période par leur réalisation effective. On vérifiera ainsi, par exemple, qu'un client qui a pris par lui-même tel nouveau service avait bien été prédit appétant pour ce service. Et puis, enfin, lors de la mise en œuvre des scores, lors de campagnes de sollicitation, on prendra le soin à chaque fois de construire un échantillon témoin, c'est-à-dire un échantillon de clients qu'on estime appétants à la campagne, mais qu'on n'adressera pas, de façon à pouvoir mesurer par différence la valeur incrémentale de la campagne. Donc ce qu'on voit, si je comprends bien, c'est que au-delà du calcul de ces scores prédictifs, qui peuvent être très compliqués avec des modélisations mathématiques ou avec des techniques d'intelligence artificielle, il y a tout un process de mise en œuvre et de vérification de la pertinence des actions pour bien prouver que finalement c'est utile pour le business. Tu as parlé de données et d'anticipation de comportement de clients. Quelles sont les garanties pour le client en termes de confidentialité de ces données ? Tu l'as évoqué au début, mais est-ce que tu peux être plus précis ? Oui, Orange tient en fait
fortement à marteler son positionnement sur le sujet. Orange ambitionne de devenir, pour d'être reconnu par ses clients et par ses partenaires comme un opérateur de confiance. Et donc, il accorde une importance considérable à la protection des données de ses clients. Dans ce sens, le groupe a pris des engagements clairs et fermes sur la protection des données personnelles des clients et sur le respect de la vie privée de ses clients. Tout ce que le groupe fait dans les différents pays où il opère est bien sûr conforme à la législation de ces différents pays, et en particulier en France, tout ce que nous utilisons, tout ce que nous faisons est soumis préalablement à l'accord de la CNIL ou conforme à ses exigences. Enfin, toutes les équipes marketing, les équipes de data scientists sont particulièrement sensibilisées à cette question du respect de la privacy. Donc en fait, ce que tu nous montres, et on le sait aussi, mais on oppose souvent droit et de la donnée et anticipation de comportement client. On voit qu'on peut faire de l'anticipation de comportement client en étant complètement conforme à toute la législation en vigueur. Donc ça, c'est intéressant. Alors le big data, tu as parlé de centaines de modèles, de milliards de scores. On sait qu'Orange traite des milliards de données avec les appels, les SMS, etc. depuis des années. Comment vous tirez profit du big data, qui n'était même plus un buzzword, parce que c'est comme le data scientist. Si on n'en a pas, on n'est pas bien, on n'est pas in. Comment vous tirez profit de ce big data et quel challenge ça a amené, toi qui fais de l'analyse prédictive depuis des années, quel challenge ça amène ? Comme je disais tout à l'heure, dans notre activité, la data est à la base de tout. Donc effectivement, avec l'arrivée des smartphones, le digital, le volume de data disponible pour les analyses explose. Et ça nous permet de changer complètement d'échelle. Donc le but, c'est bien, l'activité principale, c'est bien d'aller dénicher la valeur business qui se cache dans ces nouveaux gisements de données qui sont disponibles en ligne. Et il s'agit de faire une fouille approfondie, le plus approfondie possible de ces gisements, le plus rapidement et le plus efficacement possible, afin d'en retirer des informations qui permettront d'augmenter le caractère prédictif de nos modèles. L'intérêt, donc, c'est d'aller chercher des nouvelles variables qui sont utiles au modèle prédictif, et aussi, et ce n'est pas la moindre partie du travail, à trouver sous quelle forme, sous quelle transformation ou agrégation ces variables parlent le mieux dans un modèle, aident le mieux à augmenter leur qualité prédictive. Pour illustrer cette dimension de changement d'échelle, on peut dire que traditionnellement, le scoring se fait à partir de quelques dizaines, au mieux quelques centaines de variables qui sont candidates lors d'une modélisation pour être parmi la dizaine ou la vingtaine qui vont être finalement retenues dans la formule de score. C'est ce qu'on pourrait dire le cadre small data du scoring. Dans mon équipe, depuis un moment, ce sont déjà 20 000 variables que nous testons comme candidate au score lors de chaque modélisation. Mais on le fait toujours sur un serveur monocœur. Donc on pourrait dire qu'on fait aujourd'hui déjà du big data en architecture small data. L'an dernier, lors d'un test avec Predixis, ce sont en mode distribué, cette fois, 320 000 variables qui ont été testées lors de chacun des modèles qu'on cherchait à réaliser. Et dans les années qui viennent, on est en train de travailler dessus conjointement, on pense pouvoir sans problème tester plusieurs millions de variables lors de chaque modèle en mémoire de travail sur l'échantillon de modélisation. Donc là, les chiffres sont parlants. L'analyse prédictive, c'est quelque chose qui est ancien. Les méthodes sont très au point. Mais on voit qu'avec l'arrivée du big data, on passe de quelques centaines ou quelques dizaines de variables à plusieurs centaines de milliers, ce qu'on a fait, ou à plusieurs millions. Et ça, c'est par l'arrivée de tous les logs, de tout ce qui arrive avec le big data. Alors, tu nous as choisi. Est-ce que tu peux dire pourquoi ? Oui, parce que bien sûr, pour pouvoir faire ce changement d'échelle, les outils doivent être adaptés.
Alors, mon équipe, qui a été créée il y a une dizaine d'années, s'appuie depuis le début sur l'expertise des chercheurs en statistique d'Orange Lab, notre recherche et développement, et sur leurs travaux en matière d'intelligence artificielle. Mais il est cependant nécessaire de transformer des développements qui sont utiles aux chercheurs en outils réellement ergonomiques et opérationnels. De plus, il s'agit aussi de les implémenter dans les environnements de travail concrets sur lesquels on opère. Et donc, c'est à cette fin qu'a été créé Predixis. Mais là, je pense, Jean-Louis, que tu vas un petit peu développer ce point. Oui. C'est un peu téléphoné. Donc, en fait, ce qu'on a constaté avec, en créant Predixis, c'est qu'il y avait un changement de paradigme complet dans l'anticipation de comportement client, et qu'avec ce volume de données qu'on doit exploiter, parce que c'est une richesse absolue, et de toute façon, c'est souvent la seule richesse dont on va vraiment disposer sur les clients, il est nécessaire de rentrer dans des technologies d'intelligence artificielle et aussi de cloud computing. C'est-à-dire que nous, on a démocratisé tout ce process qui peut être compliqué de modélisation, de vérification, d'A-B testing pour permettre à des clients marketing, vente, de faire des scoring en quelques minutes sans aucun impact sur leur infrastructure IT. C'est-à-dire vous pouvez vous brancher sur notre service et obtenir des scores d'upsell, des scores de rétention, des scores d'appétence de façon extrêmement simple. C'est la possibilité qu'offre l'intelligence artificielle couplée au cloud computing qui permet de le faire. Donc on démocratise en fait ces méthodes qui sont en place dans certains grands groupes. Et vous avez des modes d'implémentation quand même de différents niveaux. Voilà, donc on sert à la fois des clients tout petits qui sont des startups et puis des très grands groupes qui ont des volumes de données très 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 importants, plusieurs millions de variables avec un autre client. Merci. Et donc récemment, vous avez eu une distinction aux États-Unis, je oui, crois. Oui, on a été l'an dernier, on a eu la chance d'être. Merci, n'en fais pas trop, Claude. Il est obligé, je suis obligé de le dire. Dans cette année, on a été l'une des 4 startups choisies par Amazon lors de leur conférence annuelle, 4 startups au monde. Et après le BG, ça a été notre prochaine étape. Voilà, donc c'était bien. Vous nous avez vus avant eux. Et vous en êtes où dans votre développement financier, des levées des... Donc, on a fait 300% de croissance cette année. On vise pas de levée. Donc, la levée, c'est chez les clients, finalement, que vous la faites. Ouais, là, on est en levée de fonds, mais on a une croissance de chiffre d'affaires très forte. Et les 3/4 de nos clients sont aux États-Unis. Le marché est plus mature sur le cloud computing et l'intelligence artificielle, donc ils y viennent plus vite, notamment des banques. Et toi-même, tu as quoi comme formation ? Enfin, tu es issu de l'analyse et de... Non, moi j'étais patron de la recherche en Angleterre pendant une dizaine d'années, dans les mobiles. J'ai fait beaucoup de recherches, voilà, au sein d'Orange. Et avant, j'ai fait beaucoup de recherches, voilà. Et tu as trouvé des choses ? Joker. Oui. Non, on a une belle recherche en France avec il y a beaucoup de je dérive, mais il y a beaucoup de data scientists et de machine learners dans l'intelligence artificielle qui sont bien formés en France. Et c'est maintenant complètement reconnu par les US. Et parce qu'on a une école de mathématiques importante et puis de statistiques avec l'ENSAE, etc. Tout à fait. Est-ce que quelqu'un veut intervenir, poser une question ? Non ? Non, non. On vous a assommé. Non. Non, vraiment ? Un truc, non ? Bon, bah écoutez, donc il me reste à vous remercier. Merci beaucoup. C'était très intéressant.